Bonjour à tous. Alors ça y est, l'été se termine, les vacances sont finies et la fraîcheur revient. Donc le matin, il commence à faire un petit peu frais, mais c'est pas encore l'époque des vestes. Donc c'est le temps de ressortir votre kimono. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel pour apprendre comment faire son kimono. Alors malheureusement, aujourd'hui, je ne tracerai pas le patron avec vous parce que je l'ai déjà fait pour un premier essai et que malheureusement, j'ai plus de papier. Donc, je vais vous mettre comment réaliser le patron dans les images qui vont suivre. Et ça se déroule pas à pas, c'est pas bien compliqué. Comme vous pouvez le voir, il y a une plus grosse densité de fleurs sur le bas de mon tissu ici. Donc je vais essayer de conserver ceci et je vais le garder pour mettre sur le bas de mon kimono. Donc si vous aussi vous avez une sorte de disparité ou un sein sur votre tissu, essayez de le conserver. Sinon ça va faire un petit peu bizarre quand vous allez assembler les pièces ensemble. On va commencer par le dos. Donc pour cela je vais plier mon tissu en deux. Et donc je vais prendre le dos que je vais venir mettre sur mon tissu en faisant bien gaffe à mettre le côté du col sur le côté de la pliure. Ça semble évident mais j'ai déjà fait l'erreur donc je préfère le préciser. Alors sur le patron je vous ai marqué qu'il fallait faire des rajouts d'un centimètre et demi pour l'aisance pour réaliser les coutures. Ce qu'il faut bien entendu faire si vous le faites avec une machine normale. Moi je vais le faire à la surjeteuse parce que c'est plus pratique pour le voile, ça évite que ça s'effiloche. Donc je n'ai pas mis d'ourlet sur mon patron, sauf pour le bas, ici où il va vraiment falloir réaliser les ourlets, donc j'ai laissé 1,5 cm. Donc on épingle, on trace et on découpe, comme d'habitude. Maintenant on a fait le dos, je vais faire la première manche, vu que mon tissu est déjà plié, je ferai la seconde ensuite. Donc la première manche va se présenter comme ceci. Pour le devant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier encore une fois mon tissu en deux. Alors maintenant, on va s'occuper de l'intérieur du kimono, là, des bords. Donc pour cela, on va devoir faire 4 bouts de tissu comme celui-ci, puisqu'en fait, ils vont venir s'associer deux à deux. Enfin, on va réaliser la dernière partie qui est le col. Donc on le met sur une double épaisseur comme ceci et on va l'épingler, marquer et couper. Bon, nous allons donc passer maintenant à l'assemblage. Pour cela, nous allons prendre le dos et l'avant et les assembler. La première
coudre ici et là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est assembler le col et l'avant du kimono. Et on va faire ça pour les deux parties, l'avant et l'arrière. Ok ? Et maintenant, on va venir coudre ici, ici et pareil sur l'autre partie. Alors maintenant, on va venir assembler les deux parties qu'on vient de coudre. On va les disposer endroit contre endroit. Et on va venir épingler sur l'intérieur ici. Et on laisse l'extérieur libre. Donc maintenant qu'on a cousu tout l'intérieur, on va venir le retourner. Comme vous pouvez le voir, c'est pas évident de le retourner. Alors, on va venir passer un petit coup de fer sur la couture ici pour bien la marquer. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous c'est du synthétique, comme moi, évitez de passer le fer directement dessus, sinon vous allez ruiner tout le travail que vous venez faire puisque ça va coller. Donc maintenant qu'on a repassé les bords ici, on va venir l'assembler avec le corps du kimono. Et donc, on va venir attacher la partie arrière de l'encolure. On va venir rabattre le battant par-dessus, comme ceci, sur toute la longueur. Et pour terminer, on va venir faire un petit tourlet, un petit repli, juste ici, sur lequel on va venir piquer, juste au bord, là, pour pouvoir fermer l'ensemble. Donc on va venir épingler sur tout le bord, on va faire tout le tour, et ensuite on piquera partout. Maintenant, on va coudre tout à l'extérieur, ici. Donc, maintenant que nous avons attaché l'intérieur du kimono, ici, nous allons assembler les manches. On prend une manche, on en repère le centre, donc moi il était là, on voit encore la pliure. Et on vient assembler la manche avec le bord. Donc, maintenant que nous avons cousu les manches ici, nous allons finir le kimono en venant coudre tout le côté, comme ceci. Et on va faire exactement la même chose sur l'autre bras.